Hello. Bonjour à toutes et à tous, ici Alpha, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes chaud, on est là, on est présent, j'espère que c'est... Ah, mon bras est coupé, ah mon dieu, regardez, je n'ai plus de bras, je vais mourir. Non, ça va bien, salut tout le monde, ça va bien, ça va très très bien, j'espère, c'est bon, mon micro est activé, je ne parle pas dans le vide, c'est le genre de choses qui est un petit peu bête, de temps en temps. Bref, ce soir, on a de la qualité. On a de la qualité de stream. Salut Damon, vous avez vu, je suis à l'heure. Vous avez vu? Salut Supo Gaming, salut Shadow Virus, KO. Non, pas de 4K, alors calme-toi, KO. Hein. C'est pas de la 4K encore, on va se calmer. Salut Dagashi, salut Théo, monsieur fauteuil, comme d'habitude, prends un fauteuil, assieds-toi. Il faut que je vous fasse quelque chose pour commencer. Ah voilà. Voilà, j'ai retrouvé. Il faut que je vous partage une création originale d'un certain chevalier, d'un certain Reinhardt. Faut que je vous partage les mad Photoshop skills de notre ami Trauma. Il faut qu'on commence le live comme ça. Alors attendez, faut que je fasse ça bien. Comment faire? Ah, je sais. Une seconde. On va y arriver. Vous allez voir, c'est fantastique. Pour ceux qui n'ont pas suivi Twitter, c'est absolument fantastique. Il a fait en fait une affiche promotionnelle. Et voilà, attention, ça peut choquer. Hein. Alors là, ça choque complet. Alors attendez, on va faire ça bien du coup. On va le mettre en mode commentaire. Voilà, commentaire d'œuvre. Ah oui, du coup, c'est emmerdant. Voilà. Alors, en fait, je suis... Je vais me mettre là. Voilà. Donc, ceci est une affiche promotionnelle pour les gâteaux secs. Alors oui, du coup, faut que je fasse la météo. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai trouvé ma position bien pour faire ça. Très bien, donc, nous voyons ici une œuvre du bas gothique, je pense qu'on peut le dire. Donc, c'est une fresque. Hein, comme les traces de peinture l'indiquent, c'est une fresque datant du bas gothique, je dirais même peut-être proto-gothique éventuellement. Donc on voit que sont dépictés des animaux, à part un être humain ici, vous voyez, un être humain, donc c'est apparemment moi, avec des micro-lunettes Deal With It, donc une marque de supériorité nette, hein, les lunettes Deal With It, très important, surtout à l'époque du proto-gothique, les lunettes Deal With It, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Ici, vous pouvez voir des victuailles, donc des victuailles de type gâteau sec, des victuailles de type palais breton. Donc ça, encore une fois, une référence au règne de Charlemagne, car c'était un roi qui appréciait beaucoup les gâteaux secs, évidemment. Et ensuite, vous pouvez voir ici donc les bêtes qui entouraient le petit Jésus à sa naissance. Donc crapaud en la personne d'un lama, je trouve que ça, c'est une très très bonne représentation qui a été très bien vue par l'artiste dont on parle, hein, qui s'est clairement en tout cas inspiré du Caravage, hein, pour arriver à faire cet effet. On voit aussi que l'effet de profondeur, vraiment tout y est, hein. On a devant soi une œuvre très 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 forte en émotion. Le pathos est très fortement là. On voit aussi Yob, le punk du groupe, hein, clairement, avec une crête de type très rebelle, Sansou, le pauvre mouton, Sansou qu'on salue bien entendu, hein, qui est décédé depuis quelques jours, étant donné que maintenant il ne peut plus jouer à Overwatch, il est retourné à Paris, pour 2 semaines il va devoir se sevrer, donc il est en phase de PLS. On a Trauma, le bourrin du groupe, qui s'est donc fait son autoportrait en passant avec cette œuvre. Donc Trauma le bélier, Trauma le bourrin, Trauma qui fonce dans le tas et qui cabait tout le monde, hein, tout le monde le connaît. Et enfin Mana la chèvre. Donc Mana la chèvre, tout parfait, je veux dire, c'est l'animal qui fait des bruits étranges, Mana avec sa boîte à son fait des bruits étranges. Voilà, je veux dire, il fallait que je vous partage ça, il y a vraiment une puissance derrière cette œuvre, derrière cette fresque qui est très très forte et qui m'a fait monter les larmes. Voilà. Donc on va commencer le live maintenant. Et on va arrêter les conneries. Alors, on va se démuter. Oui, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Yo. Bonjour. Allez, on est parti. On arrête les conneries. Attends, t'as dit... Attends, je fais des bruits étranges. Faut que je reste fidèle à mon truc. Ah. Voilà. Donc,
le bruit d'une chèvre, évidemment, qu'on reconnaît absolument parfaitement. Merci, Mana. Bon, vous êtes chaud, les gars? Ouais. Ouais. Patate. Vous avez aimé mon commentaire d'œuvre? Magnifique. Magnifique. Très bien. Et tu devrais bosser au Louvre ou un truc du genre, parce que... Alors, mais le savez-vous, j'ai une carte de guide conférencier. Et oui. Son CV, là, c'est parti. Et allez, mais non, mais c'est pour ça, c'est parce que ça rappelle les cours. J'ai une carte de guide conférencier, donc... Dans une autre planète, j'aurais pu être guide. Et alors attention, on vient d'avoir une donation de Vain Diesel. Alors Vain Diesel, je ne sais pas du tout en quel honneur tu as choisi ce pseudo. Donc 20 euros, je lance les enchères directes pour cette œuvre d'art. Plus sérieusement, je te suis depuis l'époque de Shootmania sur Wargaming, où je me sentais obligé de te donner un petit quelque chose pour ton taf. Alors, je me sentais de... Oui, pas où. D'accord. Eh ben merci à toi, Vain Diesel, c'est très sympa. J'adore tes films. Voilà. T'es très gentil à toi. Gros big up. Faites du gros bruit dans le chat pour lui. Ça doit être le vrai, je pense. Ça doit être le vrai, je pense. Hein. T'as été excellent dans Gardien de la Galaxie, je tenais à te le dire. Probablement ton meilleur rôle de composition. Voilà. C'est dit. Et c'était important de le dire. Bon, on va jouer, les gars, alors, du coup. Donc ça veut dire qu'à la Gamers Assembly, du coup, pour les viewers, etc., tu peux leur faire visiter la GA, les Exactement. Monuments de Poitiers, la totale. Exactement, la gare de Poitiers, qui est bien naze, mais du coup, je peux faire des visites et tout. C'est trop bien. Alors, qui m'invite? Vas-y, fais-le. Ok, d'accord, j'invite les gens. Il y a Trauma, il n'y a pas Trauma. Je lance le jeu Alpha, et re. Trauma, il arrive, pour tous nous caler. C'est parti, j'arrive. Du coup, on prend quelqu'un en plus ou ce sera un pick-up? Ah, je ne sais pas. Alpha, il a que des dons de 20 euros, je suis sûr, il est force à pas donner moins. Non, mais non, calmez-vous, pas du tout. Vous pouvez donner 2 si vous voulez, ou même 0,5, hein. je les lis quand même. Au cas où, Alpha, je vois XS connecté. Ouais, je lui demande. Voilà, Roma. Ça m'étonnerait. Hein. Il est sur le champ de tir. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il s'emmerde bien. Alors du coup, qualité augmentée aujourd'hui, donc dites-moi dans le chat si vous voyez la différence, c'est très important. Ah, j'ai vraiment hâte de voir si ça a beaucoup changé ou pas. Passer de 3500 à 4500, il y a quand même moyen que ça change pas mal. Au pire, Alpha, on aura peut-être Cabs aussi. Ah bah oui, Cabs, c'est bien aussi. Ah, Cabs est dispo en effet, il vient de me dire. Bon, j'attends 2 minutes que XS me réponde ou pas, et voilà. On peut donner 0 aussi. Oui, tu pure Sangeli, tu peux aussi donner 0. Suffit juste de taper le chiffre 50. Et en fait, tu verras, ça donne 0 en vrai. Les gros attaqueurs. Mec, trop sympa. Quoi. Tu verras, c'est fantastique. C'est très bizarre comme système, hein, mais ça fonctionne comme ça. Franchement, je vois la différence, mais aussi j'ai changé de connexion et pu mettre Steam. J'ai l'impression que c'est mieux en auto. Et Eve, clairement aussi splendide que tes poils pubiens sur le menton. Merci, Val au hasard. C'est trop cool, ton commentaire. XO qui est chaud, c'est chaud. C'est gentil. N'en voulez pas trop à ma barbe, hein. Vous savez, c'est du travail sur des mois, hein, pour faire pousser aussi long. Hein. Avec la pilosité que j'ai, vraiment, hein, c'est terrible. Hein. C'est très difficile. XS. Alors XS, je peux pas l'inviter. Je l'appelle sur TS. Tu vas recevoir un don de 50 euros, tu vas pas te sentir bien. Dégueulasse la qualité, putain de téléphone portable. Ah oui, mais c'est sûr, si tu regardes sur le téléphone portable, c'est moins bien. Il y a juste la coupe d'Alpha qui a changé. Ok. Yo XS. D'accord. ça va très bien, on dirait. Ah, j'ai mal aux dents. T'as mal aux dents? Ah oui, c'est vrai que t'es toujours en mode off de pack là. Non, mais là, j'ai été à l'hôpital lundi, je fais infection en fait. T'as une infection, sérieux? Ouais. Ah merde. En fait, j'ai hématome sur les joues, tu vois, elles sont jaunes et... Ah, ça doit être beau. Mal aux oreilles, partout. Ah ouais, merde, attends, t'as pas de bol quoi. Bah, le truc, c'est que j'ai fait le con, j'ai fumé aussi. Ah, t'es sérieux, t'as fumé alors que t'avais des dents de sagesse arrachées? Ouais. Mais tu cherchais aussi là. Débile. Et évitez de rigoler parce que ça me nique les gencives. Ah, désolé. Ah. Ah, t'inquiète, après on va jouer, ça va être déjà beaucoup moins drôle. Ah là là.
On distingue mieux chaque cheveu. Oh là, fantastique. Alors je vais essayer de jouer Tracer, on verra. C'est ce que ça va donner en source. Trauma, vous pouvez nous raconter d'où vous connaissez avec Alpha. Ah, Trauma, on se connaît depuis toujours. Hein. Oui. Depuis qu'on est enfant. C'est une vieille histoire. Merci Dirum pour ta donation. Je vois toujours une tâche sur le stream, Kappa. Sinon, petit soutien pour un streamer que j'aime bien. C'est très gentil, Dirum. Merci beaucoup. Moi, tu peux m'aurais invité, j'ai pas vu. Et... Hein? Ah ouais. Attends, je vais annuler la recherche. Là, ça a bugué la recherche, en fait, c'est bizarre. Ouais. Ouais. Oui, donc Trauma, explique notre enfance tous les deux dans les tranchées. Hein, oui, tout à fait dans les tranchées, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, c'était, si je me trompe pas, quasiment au début de la bêta. Un mercredi. Tout à fait, mercredi. Vers 18h. Ouais. Oui, il pleuvait ça. 18h37. C'est tout à fait exact. Non, c'était au début de la bêta. En fait, je suis tombé contre toi quelquefois, puisqu'il y avait très peu de joueurs au début. Et tu pensais que peut-être je me débrouillais pas trop mal avec ce vaillant personnage qui est Reinhardt. Puis on a changé d'avis depuis. Ouais, tout à fait. Et en fait, on s'est retrouvés donc en face et tu m'as envoyé une petite invitation à liste d'amis. Et puis on a sympathisé. J'ai eu ton numéro de portable et de fille en aiguille. Voilà. C'est tout à fait. Second base. Je vais pas connaître les détails. Je suis arrivé très rapidement à la second base et voilà. Et ainsi est né notre enfant. Non mais oui, j'ai vu une petite invitation à Alpaca sur Battle.net, alors j'ai accepté avec grand plaisir, et puis tu m'as invité à venir sur le stream et j'ai un aiguille. Voilà. Ouais. C'était un peu parce qu'il y a un lien pour la sextape. Allez, on passe en full screen. Settle down, man. Oui, okay. Il faut qu'on se calme. Bon, je suis pas installé normal là, c'est bizarre, je suis assis bizarrement. Ok, je suis bon là. Bon alors, la qualité. Ok. Alpha, meilleure découverte pour moi sur YouTube en 2015. Oh, c'est gentil. C'est beaucoup trop gentil. Et je t'assure, je suis une arnaque par rapport à certains YouTubeurs qui bossent comme des tarés pour arriver à ce qu'ils font. Il y a des chaînes sur YouTube, genre par exemple Nexus 6, je crois. Je crois que c'est ça. C'est une chaîne science-fiction qui font des reviews de films et de jeux aussi. Et la production, enfin genre la qualité de réal et tout derrière, c'est incroyable. Et ils ont mais pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Leurs vidéos font beaucoup de vues, mais ils ont pas encore beaucoup d'abonnés. Et je vous encourage à aller voir si vous aimez bien la science-fiction et tout. Et ils ont tout un délire en mode vraiment roleplay où il y a un capitaine et tout, ils sont dans un équipage. Et c'est vraiment vraiment cool. J'avais fait un peu déjà de la pub pour eux quand ils avaient commencé. Mais eux, je pense qu'ils vont très très fortement grandir dans les prochains mois. Allez les soutenir si vous pouvez. Venez de ma part, dites-leur que je vous envoie. Ouais. Il y a quelqu'un là, il y a une très serre. Bim! Oh là là, crapaud! Ah, il m'a volé le kill le premier. Oh là, un peu burst. Allez, c'est parti. C'est parti. Solide la qualité. Nice. C'est une team assez costaud en face, voire très costaud. Ah bah oui, y'a Knock. Ah ouais, bah oui. Ah oui, Burix. Pyramid. Allez, on traîne. On essaye de faire fonctionner. On va morfler, quoi. On essaye quand même de le faire marcher. C'est du costaud, tant mieux. Allez. Pique quoi, Yop? Pique ce que tu veux, je complète. Je suis pas chaud du tout. Donc je pense que t'as comme première game pour nous mettre dans le bain. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur. J'ai pas joué de la journée, je suis tout froid là. C'est bon, XS il va carry. J'ai un fond vert pas trop dégueu pour une fois. En fait, j'ai trouvé comment régler la cam pour que ça fasse pas dégueu et que ce soit hyper clean. Et en fait, je viens de découvrir que la moitié des streamers sur Twitch savent pas comment régler leur webcam. Parce que c'est vraiment facile en fait d'avoir un bon rendu avec un fond vert et sa cam. Faut juste pas que ta cam soit en réglage auto. C'est juste ça qu'il faut faire en fait. Et que tu fasses une bonne balance des blancs. C'est le Knox de TF2, ouais, Champy.
Tu vois, il y a quelqu'un qui pensait qu'on se connaissait de Guild Wars 2, mais ça m'étonne pas, hein, Alpha, par rapport à ce que je t'avais dit et ce que tu faisais. Ah bah oui. Mais c'était pas les mêmes univers. Et oui, c'est ça, parallèle. C'était Monsieur World versus World et moi c'était Monsieur PVP structuré. C'est ça. Donc c'était tout à fait différent. Bon, je vais jouer safe, je vais pas trop m'éloigner de vous, au début en tout cas. Yep, c'est parti. Ok, je prends des roquettes de Phara dans le dos. Ouais, je vois la Phara et... Allez, sur le 3 de la maison jeu. On reste un petit peu, je prends ton shield. Il est en cours de régène du coup, j'avance encore. Bouclier mi-life. Bouclier low, Winston dans mon dos. C'est le focus du coup. Bouclier low, bouclier cassé. J'ai eu Phara. Nice. Oh what? Oh voilà, il m'a défoncé le McCree. Il y a en dessous, en haut, faut le dégommer. Ok, je vais le respawn et je vais le chercher. Je prends un peu de temps pour le régène. On peut pas avancer sinon. Je t'ai enlevé l'orbe, Alpha. Régène. Eh ben non, des fronts, c'est pas le PC stream la qualité. Shield ok. On en parlera. Ton payload. Bouclier mi-HP, beaucoup de spam. Ouais, il y a toujours Winston derrière. Bouclier cassé, il faut le tuer à brio, Winston, c'est lui qui nous pourrit la BL. Ouais, ils sont tous sur... Je fais... Putain, il m'a mis un headshot, Nox. J'ai beaucoup de mal là, je dois vous le dire. Je me fais très fortement spammer en fait, donc je vais essayer de passer dans l'ardo. Winston, focus prio quand tu es sur nous. Ok, je régène un petit peu. Je suis mort, le risque dans le dos. Ah, ils sont en train de Ah, on se prend. Ah, on est là, c'est un petit peu facile à attendre. Je vais peut-être changer de pic, moi. Y a besoin attendez, de... sortez pas, sortez ouais, pas, les gars. Sortez pas, on se regroupe. Peut-être un mec, un soldat. Là, on dit Alpha et Crapaud, on part ensemble. Je suis pas assez chaud pour jouer ce Genji là, je vais attendre un peu. On part. Allez, on va essayer de faire du kill. Bouclier cassé. Il tient pas mon shield, là, je prends un burst dessus. Insta. Je régène au spawn. Build up. Ah ouais, allez, gars, j'avance. Essayez de faire des kills si vous pouvez, bien sûr. Vu que c'est compliqué. Bouclier low, bouclier cassé. Ils ont pas de healer. Putain, ça spam tellement. Ils ont pas de healer, sérieux? Ouais, faut shut down leur DPS. Si, ils ont un Lucio, mec, de quoi tu parles? Ah, si. Bouclier low. Bouclier cassé. Allez, go. Oh là 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 là, le Winston, il a tout le temps son ulti, c'est incroyable. Ouais, c'est le premier venu taper. Bouclier mi-HP. Ouais, c'est un enfer, hein. On se fait tellement spammer la tête. Je vais pas avancer sur le pilote pour l'instant. Vous êtes prêts, les gars, à follow-up? J'arrive à... Le truc, c'est qu'ils ont masse DPS. Ah ouais, ouais. DPS, ouais. Je pourrais pas avancer. Sans une roue qui part. Côté gauche. Ah non. Ah, on part large. Je vais régénérer un petit peu au spawn. Non, je vais reprendre un Genji. Enfin, quoique, j'ai mon ulti là, je vais le claquer. On avance de nouveau. Shield up. Allez. Allez les gars, vaillant, même si c'est dur. Slope et love. Winston derrière vous. Il faut le tuer en prio. C'est lui qui m'oblige à me retourner sinon. C'est le focus prioritaire. Non mais Knox, il est beaucoup trop chaud avec son Anzo là. Il m'a instant. On lâche pas. Bouclier mi-HP. Oh le pre-shot qui m'a mis. Derrière, Macri, dans la petite maison. J'ai plus de shield, je peux pas vous protéger. Il remonte les escaliers. Ouais, on est sur le top européen, les gars, donc c'est normal. Pardonnez cette game, mais c'est un peu un mauvais moment à passer. Puis on se fera matcher avec des teams plus de notre niveau après. Allez, on repart les gars ensemble, vous êtes là. Mais d'où? Il m'a OS! Il m'a OS! On est séparés là, on peut rien faire. Hein. Non, mais là. Il y a Winston qui saute derrière, les gars. Il faut le focus en prio. Peut-être essayer Widow. Je vais charger pour pas qu'il me cave dans le vide. Ouais, il m'a crié. Ils font très très peur. Ah, je peux rien faire en DPS solo là. Quelque chose, Ouais, faut se regrouper ensemble là, les gars. Groupe, je balance un speed. Les mecs, frère avec le chacal là qui se calme dans le vide. Paquez-vous derrière moi, les gars. On joue ensemble, on DPS ensemble. Il reste 30 secondes sur le dernier try. Go.
Allez, ensemble. J'ai mon ult, hein. Avancez, 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 avancez. Full web, ça faut là ou pas? Ultimate, go, non go, ult. C'est bon, y'a du KB. Allez, faut les tuer maintenant. Voilà, deux morts. Attention, y'a Dragon qui part. C'est bon, nullifie par la transcendance. On avance, on avance, on avance. Allez, les gars, là, faut être solide, on pourra pas attaquer sinon. Prends ton shield. Winston, c'est la prio, Winston. Il peut pas nous arrasse comme ça facilement, normalement. Allez, on tape, c'est bon, il est mort. Je re-shield. Allez, regroupez-vous, tous ensemble sur le payload. Et mon ult. Dès que Winston nous saute dessus, on le tape tous. Même moi, j'ai mon ult aussi si je veux. Vas-y, si t'es chaud, mets-le. Bouclier bien HP. J'attends qu'il soit bien paqué. Bouclier cassé. Re-shield en face. Mais putain, mais tu vois. Top re-shield, j'attends. Lâchez pas, les gars. Vas-y, je balance mon ulti. Oh merde, non, il est pas. Prends une petite lag au max. Ah, mais j'ai trop de gens sur moi en DPS. Ah, là, il y avait trop de monde, j'aurais pas dû balancer maintenant. Ah, moi j'ai servi totalement à rien, je trouvais pas le pic, c'est... Pff, voilà, j'étais pas chaud. C'était pas ma game. C'était pas ma game. Oh, c'est la première, c'est normal. Ah ouais, j'étais tellement inutile là, mais... Là je sais pas, j'avais pas envie de jouer contre eux quoi. Moi j'étais là... J'avais pas envie. Non mais là, enfin, je veux dire, ça m'énerve quand on tombe direct contre des grosses teams parce que t'es là, tu reviens du boulot, t'es en mode... T'es déjà les mecs sont en mode, ils ont joué toute la journée, t'es là, please. Un peu de calme. Ah, et puis jouer flanqueur contre des mecs beaucoup plus forts que toi en skill dans tous les sens, c'est un enfer quoi. Parce que t'es là, tu peux absolument rien faire. Jouer heal dans ce genre de cas, moi ça me dérange pas parce que tu sais, tu restes près de ton tank et tout, c'est tranquille, mais en flanque c'est un enfer quoi. Ah, mais bah, ouais, souvent quand je tombe. Ah, mais moi souvent quand je tombe contre des gros mecs et que je suis pas forcément. Et que je suis pas obligé de jouer flanqueur, je prends solo. Enfin, je heal parce que. Au moins je sais que je fais de toute manière mon taf, même si en face ils nous défoncent, bah je heal quand même, tu vois. Alors que là, en flanqueur. Tous en face, ils me démontaient en 1v1 en mode non-respect total parce que c'est tous des teintes de gros ouf quoi. Donc c'était un peu dur quoi. Ah, le problème là, c'est qu'on avait pas de. Il y avait pas de dommage sur le Winston qui venait nous chercher en fait derrière. Alors on dodge les gars, on quitte. Je vous réinvite. Parce que bon, ils sont mignons en face, mais j'ai pas trop envie de jouer trop contre eux quoi. Faut savoir où est sa place. Je vous réinvite. XS, Trauma. Ouais, je suis là. J'arrive. New Beta Wave in progress, sérieux? Ah. Heal no skill. Non, c'est pas no skill, heal. C'est pas ce que je dis, c'est que c'est plus facile de se sentir utile contre des mecs beaucoup plus forts que toi en jouant heal que jouer en quand jouant flanqueur. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en fait. Allez, prions pour ce qu'on se tape pas des pros toute la soirée. Ce serait cool quand même. J'ai vraiment hâte qu'ils ouvrent plus les accès bêta hein, pour qu'on puisse avoir des matchs de plus en plus équilibrés. Ce serait cool. Vous avez vu d'ailleurs la vidéo de Jeff Kaplan? La dernière? Non. T'as pas vu? Non, j'ai pas encore maté. Ça donnait quoi comme info intéressante? En gros, ils parlent du mode Ranked. Et ce qu'ils sont en train de bosser dessus et tout. Et qu'ils ont un gros dilemme en mode. Ça va être compliqué d'équilibrer le truc de façon à ce que ce soit pas frustrant. Mais ils font de leur mieux. Et bon, en gros, ils ont aucun système vraiment implémenté pour l'instant. Mais ils sont en train de réfléchir, est-ce qu'ils implémentent une solo queue, est-ce qu'ils mettent que de la team queue, voilà, ils sont en train de réfléchir à tout ça. Et pour eux c'est pas facile du tout parce que parce que t'as le switch de hero. Mais je l'ai pas lu en entier, mais ça a pas un rapport avec le post qui disait que il aurait préféré nommer ça une alpha. Ouais. C'est vrai que quand on y pense à... Il y a certains aspects qui n'étaient pas du tout prêts. Et peut-être que les gens aussi auraient été moins frustrés si c'était une alpha. Ouais. Par rapport aux invitations, tout ça. Quand tu sais que c'est une alpha, t'as tendance à te dire bon, je vais attendre un peu plus de temps, quoi. Avant de pouvoir peut-être avoir une invitation. Oui, alors que bêta, tout de suite, tu penses à open bêta, tout ça. Ouais. C'est vrai. Tu te dis que tu vas avoir accès beaucoup plus vite, quoi. Mais oui, les gens pensent bêta, ils pensent démo, quoi.
Yep. Alors je connais pas ça du tout. Pas du tout, du tout. Tiens, on va jouer McCree. Je me chauffe avec McCree. Je crois qu'en face, Poupie et Céréales sont pas mauvais. Ouais. T'achètes dedans. Mais ils sont prenables. Allez. Je vais jouer Lucio, tiens. Pas vu en self les DPS. Check this out. Check this out. Tu peux pas jouer à Macri, Alpha? Non, 3 supports, c'est bien. Allez, bah je joue alors. Ouais, tu peux. Il y a du bon joueur encore en face. Hein. Faudra être. Moi, ça me stresse quand on dit ça. Je préfère juste pas savoir en fait et commencer à jouer normalement. Tu sais, genre quand on dit ah là, on a un triple champion du monde de Quake en face. Ouais. Ça, voilà. Moi, tu vois, j'ai quelque chose dans mon cerveau qui me dit on va perdre et du coup, je fais n'importe. Donc, c'est mieux que je sache pas. Venez, on commence à jauger un petit peu le truc, on va tanker là au début. Là, je préfère que tu dises, il y a André et Jean-Francis en face, ils sont prenables, ça ira. Easy win, c'est bon. André et Jean-Francis. Peut-être que Jean-Francis est champion du monde de pétanque, je sais pas. Ben pétanque, moi ça me va très bien. Du moment que c'est pas champion du monde de Quake ou de Chute Mania, c'est très bien. Par contre, vous avez grave avancé. Hein. Ouais, moi je trouve aussi qu'on est vachement avancé. Venez au niveau du bus, déjà on va commencer. Reculez tous, hein, faut se mettre sur les hauteurs sur cette map. Hein. Reculez tous, les gars, tous en même temps. Reculez. On l'avait fait le tanking haut contre War Legend, mais. Ouais, ça mais passe, bon. Hein. Comme c'était une team. Oui, on peut y retourner. Ça passe, mais bon, je pense que là on va essayer de la jouer safe et conservateur. Je vous appelle s'il y a quelqu'un qui monte par la terrasse à droite. Je vais flouler le bouclard là. Ok, bon. Ça passe. Ah ouais. N'hésitez pas à spammer, comme vous l'avez vu contre ça les passe, ça tout passe. À l'heure. Faut vraiment spammer pour être pas sûr. Mais attention, il y a un Genji qui est dans le dos. Bah, il est derrière Reyna. Ah, c'est Puppy. Ah, ouais. Il est bon, Puppy. Il est bon, ouais. Attention, escalier. Gars. C'est bon, ah, c'est marrant ça. Tu le contre de Genji ne bloque pas le clic droit de Lucio. Ah, tu vois, je savais pas ça. On les garde bien pour l'instant, mais personne se met sur le balcon du côté. Ah, derrière. Des trucs qui t'attendent, les gars. Deux derrière, sur le point. Attention à Nidon. Ça claque tous les ultis là. Attends, on est tous morts là. Ah, il reste trop mort. Gentil tag au max, champion de Reinhardt. T'es tué. Tu prends ta transcendance. Et on tient pour l'instant. T'as tué aussi Macri. T'as tué Winston, non. Il a fait de la jump. C'est mort. Bon, on les a contenus. Derrière encore. Ah, joli le kill sur. Ah, GG les gars. Belle défense. Oh lol. Ah ouais, alors là. Là il nous a fait une crew. Tu sais, il y a un tournoi à crew, il faisait tout le temps ça. Faut pas faire ça. Faut pas envoyer l'orb. Les gars, je remonte là-haut. Ouais, j'y vais. Ah, je les floude, hein, je continue de les floude. Macri sur la terrasse, bah c'est bon, à deux on va pouvoir le. Il y a aussi Alpha là-haut, je vois c'est. Genji qui monte. Tu vois mes boules? C'est ça qu'il allait dire. Tu vois mes boules? Je me suis vite tu quand j'ai vu les projectiles de ton Lucio. Ah, trop tard, hein. On est trop rapide à choper derrière, les références graveleuses. Zarya. Attention, ça passe avec Reinhardt. Reinhardt et Zarya au niveau du bar. Reinhardt et Zarna. Et Zarna? Et Zarna, ouais, j'ai moins nul pour Magic Sport. Boucle mi HP. Derrière, je gêne un petit peu. Allez, salut. Là, ils sont tous sur le point, là, les gars. Ouais, faut se décider d'annoncer le lieu. Allez, et go, vous go, allez go. Pas les shutdown. Je vais tuer Zarya là. Ah, fuck, je me suis fait tuer. Genji et Lucio sur moi en haut. Dans petit tag, les gars. Je suis low HP. Hein. Je mourrai, je suis mort. Ah, je suis mort aussi. C'est dommage là. Hein. Oh non, c'est fait dommage défoncer. De pas être allé les shutdown. Oh, il y avait surtout un Genji là. Non, mais je parle 20 secondes avant. Ah mon dieu! Ah mon dieu! Je conteste! Allez! Un coup. C'est mort? Sérieux? Ouais. Attendez, c'est pas fini. Je me suis sacrifié pour rien.
Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On a bien tenu quand même. Vas-y, on s'attend, s'attend. Au niveau du bus, rejoignez-moi. Ça, c'est bus, t'es trop devant. Dans le dos, Aïdoum. Je me tourne. C'est bon, il a tout mis dans mon shield. Je vais chercher derrière les sous-armes. Hein. Les sous-armes. Venez sur la front, ça push fort. Ils sont en confiance. Il faut faire du DPS là. J'ai mon ulti. Okay. Vous voulez faire un gros push là, j'ai mon ulti. Ouais, si tu veux. Ok, vous êtes prêts les gars? Ouais. Ok, go. Allez-y. Allez, c'est des remove. Attention, là c'est l'ulti Reinhardt, normalement. J'ai ulti dans leur dos. Oh, oh le Papy m'a récupéré, j'étais tout seul dessus. C'est bon, j'en ai tué un. Deux, attention, vous avez un Genji sur vous. J'ai tué 3. 3 morts. GG, Chroma. Chroma. Chroma, toi aussi tu Chroma. Fais des mélanges. Ouais, Chroma. Je sais pas pourquoi je dis Chrome. Chroma. Je sais pas. Chroma, oui, si tu veux. Non, Chroma de Karim de Bâche. Ouais, je sais pas, ça me fait penser à ça. Il était pas mal l'attaque là. Ouais, heureusement que vous avez assuré, moi je me suis fait récupérer instant. Charge Reinhardt. Il est pin. Il est sous Discord. T'es tout seul par contre. J'ai le petit derrière. A vous de les clés maintenant. Ils sont par terre. Il y a un 76 dans nos dos, c'était pas une bonne idée là. Ouais, ah, la clé aussi les gars. T'es un peu ça, parti ça, tout seul. Ouais, là c'était dessus, pas, mais c'était chaud là. C'était pas le bon call là de partir. Ah, ah comme il y en avait 4 par terre, je pensais que d'accord. Reviens. Ah mais non mais c'est un enfer quoi, le Macri, je sais pas pourquoi il allait si vite. C'était certainement le Lucio qui le boostait. Ah non, il m'a juste stun à max range. Oula oula, il pêche beaucoup sur la... 3 minutes ça se fait. Ouais, faut s'attendre là. Ouais, Trauma est décédé, faut attendre Trauma là. Genji. Allez, butez-le là. Ah, il me touche. C'est bon, il est mort. Il me sent gros plein. Pas sûr, Manard, t'es trop devant. Il est derrière moi. Ok, on y va. On va faire du clean maintenant. Allez, go, go. Il y a un qui va arriver dans votre dos, attention. Allez, on shut down Macri là. Go, go, go. Allez, go, 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 go. Entre nous. Ah, j'aurais pas dû. J'ai pin de Reinhardt, tu es derrière, après derrière. Ok. En fait, Romain, elle est à la mort. Mais normalement, quand je pin le Reinhardt, il faut. Bah oui. On a l'avantage. Ouais, mais à chaque fois, si tu pars trop loin, en fait, on peut pas te soigner. Bah, oui, mais c'est mon ult, crapaud, tu l'as quand le chien. J'avais l'ulti, je l'ai annoncé. 87% là. Mais je fais comme d'habitude pourtant, je pile le Reinhardt et. Ah oui, derrière. Ouais, mais enfin, le souci c'est que moi j'arrive pas. Enfin, j'ai l'impression que tu pars vraiment loin et que le pin se fait et tu meurs en fait. J'avais pas. Et ah, j'avais pas mon ulti. Hop en plus, si c'était un souci ça. J'ai mon ulti là. Mets-le quand tu veux, hein, parce que là ils y pêchent. Attention, ouais, ouais. Attention. Faut y aller. Ulti! Ouais, 76 mort. Oh l'ulti. Oh son ulti. Fuck! Ouais, le Genji il m'a eu. Allez, allez, Reaper là. Allez, Yob! Allez, Yob! Montre-nous que le Blanco est le meilleur. Attention, saute sur le point! Ouais, j'étais sur le point. Allez, go! T'es sur le point. J'ai tempo quand même. Focus sur. Bah, sur le point! Il faut tenir le point! Le point. Reinhardt sur Discord. On se regroupe. Et moi, bon, ça, on a tenu. Ah, GG, Yob. Là, easy la game. Ouais, 2 kills et puis derrière. Easy la game, moi qui vous le dis ça. Ouais, on se replace bien là. Attends, ouais, j'ai mon ulti up. Hein. Vous voulez go ou pas? Non, j'ai mon up aussi. Pas pour l'instant. Pas le. Attendez qu'il soit remonté assez loin. Ok, l'eau. On n'est pas dans la descente. Attention au passage à droite, je régène mon shield. Moi je laisse pas. J'ai beaucoup de shield. Bah, ça va passer à droite, les gars, notre doute. À droite, moi je perds. Ça y est, ils sont. Ah, j'ai activé mon amplitude trop tôt, j'ai 10 secondes de cooldown. À droite, il y en a 2 ou 3. Gardez moment, les gars. Il y a Reinhardt aussi. Buter les shields, en fait, faut buter le shield du Reinhardt vraiment vite. Hein, bah, vous pouvez. Ok, vous voulez faire un push là éventuellement? Et non, ils sont dans notre dos, on va se faire back. On va se faire backstab.
regarde où ils sont sur la terrasse. Hein. Y'a quoi de ton côté Que voient vos yeux d'elfe, crapaud? Ah, moi ils sont trois là. Ils arrivent vers vous. Ils sont dans notre dos. Ah, ils sont tous là, on peut go dessus là, non? Ouais, là, j'ai mon. Allez, go! Go, c'est parti! Je charge! Derrière vous, derrière vous. Je cours, Aïnon. Non, derrière. Soldat et. Oh, cet ulti. Oh, mais le Reinhardt, malheureusement, il est arrivé dans notre dos en fait. C'est pas fini, je les ai crabés, on a tué Reinhardt, je suis mort. Allez sur le pelote. Reste en vie, XS. Putain, le Genji est tellement piqué tout seul là. Ah, l'assaut était pas. Le fait que le Reinhardt soit passé dans notre dos, moi ça m'a buté. Surtout bien ulti là. Ah, il était chaud, Papy. Hein. Ouais, il joue bien. Et il était dans quel team, Papy, déjà? C'est un joueur pro aussi. Mais... Oui, mais je sais plus quel team. Je crois que je l'avais vu dans. Là, c'est pas mais on a joué avec lui aussi, Papy. Oui. On a joué avec lui la partie justement contre les G2, là. Enfin, contre Flippy et Tech. Qui sont plus G2 d'ailleurs, qui sont maintenant. Ils sont dans quel team? Cooldown, je sais plus. Je sais pas du tout. Quand je vois ce type d'ul de Genji, je me dis que le nerf il sera vraiment le bienvenu. Ouais. Il a fait un full team. Mais deux coups t'es mort quoi. C'est n'importe mort. Quoi, enfin. Mais il était pas sous ce que orbe. J'ai pas compris, c'est si que. Si, il était sous orbe assez souvent. Ah. Mais normalement, les gars, ce que j'ai pas compris, c'est que quand je pile le Reinhardt ennemi, par définition, on a l'avantage sur eux après. Ouais, normalement, ouais, mais c'est. Y'a du follow-up et. Enfin, là, fait tu exactement prenais comme des grandes d'habitude. Courbes quoi. Ouais, non, mais là, tu prenais des grandes courbes, genre tu partais à 200 mètres quoi. C'est la base, on la charge avant et faut. Enfin, je sais pas, faut l'annuler, les gars, parce que moi on était Reinhardt, Trauma et moi, on était que les deux, c'est dommage. Non, moi aussi j'étais là, souvent. Pour les deux pins qu'il a fait, j'étais là. Non, mais celui dans la descente là, c'était. Ah ouais, j'étais là. Mais ils étaient tous. Bouclier d'un rêve. Pas grave. Ah, et Nunky est parti en face, ouais. C'est dommage que ce soit pas Papy. Il joue souvent Genji en plus. Il le joue oui, bien. Oui, bah c'est un joueur de flanker, Papy. Yep. Entre les Pluppy, Puppy, ouais. Pipou. C'est vrai que c'est compliqué. Salut aux nouveaux qui arrivent dans le chat. Bijour. Vous faites pas de focus, c'est dommage. C'est vrai qu'on a pas focus là. Et je pense aussi qu'il fallait qu'on spamme plus le bouclier du Reinhardt en face. Ah, pourtant. J'ai bien spammé hein. Ouais. Ah, j'étais tout le temps dessus. Hein. Après peut-être que j'étais pas aussi utile que d'habitude en jouant Lucio par rapport à Genji, je sais pas. Oh non, mais c'est les premières games, on est pas chaud. Moi je suis chaud patate les gars. D'ailleurs aussi pour les prochaines VOD, par exemple la VOD de ce live, je la mettrai non coupée sur YouTube. Je couperai juste les pubs au début et à la fin. Mais je la laisserai en bloc entier, comme ça c'est plus facile à faire pour moi en fait, et ça prend moins de temps. Parce que là, couper chaque VOD en 4-5, ça prend tellement un temps fou, c'est horrible. Du coup, pour les prochaines, ce sera en un bloc. La première en un bloc a été uploadée cet après-midi d'ailleurs. Bonne nuit à Supo Gaming. Supo Gaming, hein, un bon pseudo. Ouais, c'est vraiment ça. Sur le Caltech. Vu que c'est les mêmes, on va la jouer comme d'habitude. C'est vrai que là, c'était un petit peu tranquille. On va faire des focus, tout ça. C'est parti. Le Winstoné là. Il a le skin t'as le skin Aladdin en fait. J'allais dire Jafar, mais non, c'est le skin Aladdin Yop que t'as. En vrai. Ouais, appelez-moi. Quand il est en mode prince. Quand il est en mode prince, il a la même tenue. C'est Alpha, faut que je monte un truc. Pas le mur là. Ouais. Ah. Voilà. très bien. Peanut Butter, il est cool comme tag. Tu l'as bien trouvé celui-là, crapaud. C'est parti. Allez, venez derrière. Alors, c'est le pour répondre à Vayne Diesel. En fait, la Symmetra ne sert à rien après le premier point. Parce que t'as pas le temps en général de replacer bien tes tourelles, etc. à des endroits importants. Et que sur des longues distances après ça sert à rien. Oula, j'ai besoin d'une orbe là. Quelqu'un a une orbe? Derrière, il y a la sentry derrière. Elle est morte. Merci pour l'orbe.
Allez les gars, vas-y, je vais poser mon bouclier, tu peux avancer, ouais. Vas-y. Thanks. Je rajeune un petit peu mon shield. Virez les petites tourelles si vous pouvez. Merde. Ok, on y va. J'ai pété les tourelles. Il y en a une derrière le bus, je vois. Voilà, XS l'a cassé. Ok, on y va les gars, c'est parti. T'as plus l'orbe. Go 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 go, maintenant. J'ai pas d'orbe, j'ai pas d'orbe. La tourelle. Une petite orbe. On va le casser, je crois. Attends, t'es où? Oh là, y'a un TP de up. Ouais, oh, y'a un TP de up, je sais pas où. Faut que je sois Zarya, la Zarya. Zarya est mort. Là, j'ai pété le téléporteur, mais la Symmetra m'a tué. Honnêtement, je pense, que j'ai bien fait de me sacrifier, au moins y'a plus de TP. Le mec crit clic droit. On revient en arrière là. Dégâts Symmetra, ça fait peur quand même. Ok, je vous attends sur la front. Yob, petit orb. J'aurai un ult pour le prochain push. Ok. Yob, petit orb. Ah, okay, j'ai mon ult aussi. Ouais, j'ai le mien là. Venez les gars, on change d'endroit, mais venez tous ensemble. Ouais. On saute ensemble et on essaie de tous les tuer. XS, allez. Dis-moi dès que t'as un. On est repéré, Macri. J'ai quasiment tué. Ah, j'ai pris une balle dans la tête. Dommage. La tourelle qui m'achève ensuite. Oh putain, la tourelle. Ça revient. La tourelle niveau 3, c'est bien. Go attendre, go attendre. Ok, je recule. Ouais, ouais. Vu. On se groupe tous. Moi j'ai mon ult, hein. Au pire, passer en face, moi je saute sur eux et je mets l'ult. T'as pas on va un... faire ça, ouais. On va se coordonner, XS. Je vous attends, on y va. On se coordonne, Alpha, tu sauteras même là, pas. Là, ça peut déclencher avec ton ult. T'as ton ult, Romain? Oui, okay. Justement, on va se pro. Allez, la front, je suis tout seul. Bam. Oula, ça me rush. À la gauche. Il en manque encore un. Allez, vous passez mid, hein. J'attends Yob encore. Yop. Vas-y, je suis derrière. Non, laisse tomber, go. Ok, go. Moins un, go. Allez, go. Ult, mana. Allez, la tourelle est cassée, parfait. Aïe, donc je le couvre. Derrière moi, Alpha, si tu peux. J'ulti now. 3KB à nettoyer. Je charge ensuite. Où est ta gamme, en fait. Non, il y a juste sur un petit peu dans votre dos, les gars. Je le vois. Sur la cam. Et après, c'est bon. Il est mort. Impec. Fais du spamming. C'est bon, Torbjörn il est mort. Bien joué. Quel ma KP plus lentement que non? Je crois. Je sais pas. Ils sont là, ils avaient un TP derrière. Ah, sauf si ils sont montés escalier, je pense. Rodog est mort. Continue à avancer le payload. J'ai eu le Macri. Zarya mort. Ah, allez, on avance. Mais mon bobo. J'ai eu le Lucio. Merci pour l'arme. Ça va, ça déroule, c'est cool. Ça déroule. On avance. Déroule, relais. Le singe, il a plus de vie. J'ai mon ult. La même. J'ai eu le Macri. Ça revient en front, faut faire du clean. Je fais tag là. Clean mes HP. Manage et ulti. Je régène un peu mon shield. On progresse plus vite que je pense. Aïe. Ouais, c'est bon, je suis en vie. On va avancer vers la fin. Parce que je pense qu'elle est un peu fine. Bouclier mi HP. Je régène un peu. J'ai eu les Zenyatta. Ok. Les gars, préparez-vous. Ulti now. 4KB les gars, nettoyez. Ah ouais, mais sauf qu'on est pris par l'orbe de Zarya. On est tué deux. Et Zarya maintenant. Voilà. On avance. On est tous sur le payload. Bloquer les au spawn, Alpha, si tu peux. J'ai eu le Zenyatta. Nickel, je bloque Diva. Oh, il Diva spam, il est moche.
pas évident. C'est bon. Mon mecha est cassé. Lucio derrière vous avec c'est bon. Flusher. Tape sur Winston maintenant. Allez, il a ulti pour tempo. Ça repop derrière. Ah, ils jouent comme des pucis, quoi, gars. Deux singes, diva. Ouais. C'est pas grave, on continue. T'inquiète, je les tape, je les bump à l'entrée là. Je vais ulti le spawn. Hein. Nice! GG les gars. Et je crois qu'on a fait un meilleur tank qu'eux. Oui, je pense aussi. Oui. Ouais, ah, GG les gars. Oh, les mecs, ils étaient bump à l'entrée, ils ne pouvaient rien faire. Ah, il était bien cet assaut là. Ah, c'est bon, je suis chaud là. Ah, là, c'était le pro Kligra là, je crois. Ah, attends. Ouais, si, c'est celui-là. On sent que... Ah oui, tu l'as senti celui-là. Ouais, je l'ai bien pris dans le Ouais, pareil, j'ai senti. Pour pas dire autre chose. Ah ouais, ah ça c'est du beau jeu. Le maître au salty. C'est vrai. Ça, je la record, elle était bien. Bien mieux que la défense, ça on peut le dire. C'est de la merde. Twitch lag énormément. Ah, merde. Ça lag pour vous aussi, les gars? Non. Moi, non, perso, non. Regarde pas. Après, j'avoue que je regarde pas non plus beaucoup. Bon, alors, oui, pour vous dire, niveau de l'actu de la semaine, on me demandait tout à l'heure c'est quoi l'actu de la semaine. C'est que, à partir du 3, avec Yob, on sera pas là. On part à Katowice, en Pologne. Pour les IEM, donc il y aura pas de stream ce week-end, il y aura pas de cast, étant donné qu'on sera là-bas, et on revient donc le 7. Donc à partir du 7, il y aura de nouveau des lives. Lundi prochain, en fait. Voilà, c'était ça la grosse info aussi que je voulais vous donner. Mais je répéterai tout ce qu'il faut savoir dans le vlog qui sort demain. Voilà, je l'ai tourné tout à l'heure et il sortira demain. Alors, Alpha. Ouais. Je viens de voir un commentaire sur le chat avec lequel je suis d'accord. Les moments de guerre sur Overwatch ont été bien anticipés par les développeurs quand même, ça donne de vrais combats épiques à la X-Men. Et c'est vrai que la DA du jeu, la direction artistique, les musiques, surtout la musique du Play of the Game, un petit peu épique. Très comics. Ouais, voilà, très comics. Et le feeling du jeu global donne, c'est vrai, un petit peu un aspect super-héros. Un peu Marvel au jeu, quoi. Et c'est vrai que c'est sympa. Bah, c'est le principe du jeu, c'est que tu joues des héros, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est renforcé justement par ces éléments, la musique et la DA. Ça pourrait être un jeu un petit peu générique si c'était pas fait par Blizzard, quoi. Tu vois, par exemple, quand on voit Paladin ou des jeux comme ça, je trouve qu'ils n'ont pas d'âme à côté. Ils sont pas aussi marqués. D'ailleurs, vous avez vu le nouveau perso qui a été révélé sur Paladin? Ouais, j'ai vu, ouais. Une copie de... Oh, les mecs, ils abusent quand même. Bah, c'est un sniper. Son tir principal, c'est en gros un tir semi-auto, bon c'est pas comme Widowmaker. Son tir chargé, c'est une lunette, et c'est une jauge qui charge avant de tirer à pleine puissance, exactement comme Widowmaker. Ah ouais, et elle a des mines, et genre, quand j'ai vu ça, et juste après il te montre, elle a des mines, j'ai fait, putain, vous êtes sérieux les gars, quoi. Après, ouais, la copie de Reinhardt, ils sortent ça, enfin, tu vois, genre, c'est ok, évidemment, chaque jeu, oula, on tire dessus déjà. Chaque jeu, ça... Il va charger, je compte faire charge. Il y a une Tracer, Catwalk. Tracer, Catwalk, les gars. Ah, allez, venez me... Attention, il y a une Widow tout en haut, là-bas. Il faut me défoncer la Widow, là, sur le... Elle est tout en haut de leur spawn. On essaye de la spam, mais c'est pas facile. Ils vont rentrer dans le tas là, fais gaffe. Ouais, ça rentre. Je vais poser un TP. Je suis de nouveau là. Il y a la Widow qui spam mon shield. Vaut mieux que ce soit le shield que vous. Attention, à gauche, ça passe. Vu. Ouch. Attention, XS. Mais. Vous allez voir quand vous allez voir. Ah, on a failli la tuer au jeu. Winston derrière. Pas encore. Catwalk. Qu'Overwatch, on sent vraiment la qualité Blizzard, quoi. Sur pas mal de détails. C'est fluide, hein, c'est. La pâte graphique Blizzard, un peu comme son habituel. Et on reconnaît directement un jeu Blizzard avec ça. Tracer, Ouais, j'ai grid pour finir Lazaria, mais bon, au moins ils ont perdu leur tank. Parce que Yop, il y a là. C'est pour quel jeu ça? Je parlais de Paladins. J'ai mis HP. Je prends ton shield, parfait. Si on tire de snipe. XS en a tué deux, je vois. Punissez le Winston qui est trop près.
On reculait. Je rechine. Ah, ah putain. Êtes-vous là, la Tracer? Prends ton shield. Winston à punir en premier. Tracer rush. Oh la vache. Ah, mais qu'est-ce qu'il foutait là, le soldat, quoi? Alors là, je pensais pas que le soldat était passé 4 ult en fait. Oh là là. Alors, il survit, survit, trauma. Ah, c'est la Tracer qui fait mal, hein. J'étais low HP. Ah mon dieu. J'ai eu la Tracer. On a que heal, ouais. Ok, ta mère. J'ai eu le Winston à l'autre bout du monde avec un clic droit, ça. Allez, les gars, ça s'arrête, ça s'arrête. Ok, il y a une sniper, faites gaffe. Ok, front en place. Y'a déjà Tracer sur moi. Ah, l'amélioration est bonne. Bon, shield. Ah, trop bien. Apparemment, l'amélioration est vraiment là. Ça fait plaisir, ça. C'est bon, le Tracer a pas réussi à me tuer. Ah, ouais, mais en fait, ah oui. Faut revenir sur la front, les gars. C'est chaud, je suis tout seul. Après, y'a crapaud après. Recule, ouais, recule. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah, c'est vu que le spawn était loin et que merci, c'était loin, c'est impossible de revenir dessus. Yep, je comprends. On va se regrouper dès que possible. Derrière, derrière, derrière. Là, il y a les deux greedy qui grid. Pour deny la Tracer, faut qu'on se regroupe, les gars. Derrière, derrière, derrière. Alors, c'est chaud, là. Ah, on se fait complètement. Revenez, 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 revenez. Attendez que je fasse la front. Trop dangereux. C'est vraiment pas facile. Y'a, faut que tu passes avec Kutsu. Hein. Ah, je voulais essayer Orange pour le coup. Bouclier l'eau, bouclier cassé. Winston sur moi. Ah mais là, mais on se fait tellement harass. Ils sont tellement agressifs. Moi j'arrive pas à toucher, y'a toujours le Winston dans mes pattes. Ou y'a toujours un shield de Zarya, c'est horrible. A chaque fois ils sont shieldés en fait quand ils m'agressent. Ah on a, ouais. J'y arrive vraiment pas là. Ouais, on se regroupe, les gars. Et ici ça devient presque. Oh, mais elle est relou la Tracer là et tout. N'allez pas devant, vous allez vous faire tuer. Ouais. Je l'ai shield eu. Up. On y va. On se défend, les gars. Comptez avec moi. Prends ton shield. Attends qu'ils soient un peu plus paquets. C'est pas suffisant. Il y a la fatale au fond, hein. Galerie marchande. Winston, c'est la prio. Il va vous faire pédale. Il m'a fait tomber, quoi. Ah, voilà. J'y arrive pas là. C'est trop confus là. Genre y a du bordel partout, j'arrive pas à faire mes kills avec là. Pas chaud. Pas chaud du tout. Tout le monde est mort, oh mon dieu. Non, c'est ouf, sur le mode d'avant ils sont prenables. Ah, y'a Winston, une vitesse, Winston. Ah, c'est parce que c'est notre compo qui va pas. Est-ce qu'on change? Allez, on se regroupe. On est derrière moi, on y va, on y va, on y va. Car en DPS on est contre, on est deux, hein. La Tracer, les gars, elle m'a pourri le groupe tout à l'heure. J'ulti pour counter. Ah, je peux pas là. Ah, elle a fait clic gauche. La Tracer me pourrit complètement. Ah, c'est pas bon, c'est pas con le switch XS sur Pharah. Ils vont caper, y'a plus personne. Si, 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 on est dessus. Allez, on lâche pas. Je suis mort. Ah, ouais. Voilà. Moi, ouais, j'étais pas dedans. Là, il faut qu'un tank, il en faut pas deux, il faut du DPS. Ouais. Ah bah oui, regarde, en DPS, il y en a que deux, on peut rien faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, il est c'est infâme. Vrai que je pense jamais à infâme, en DPS. Hein. Peut-être que j'arrête de jouer à mon tank quand il y a trop de DPS en France. Il est vraiment infâme, Poppy. Oh bah tiens, voilà. Ouais, c'est... Mais là, j'avais un gros problème aussi, j'arrivais pas à l'arrêter avec McCree, quoi. Mais en même temps, en fait, c'était horrible parce que dès qu'elle sortait, elle avait soit un shield de Zarya, soit il y avait un Winston qui m'emmerdait. J'avais jamais le... Tu sais, j'avais jamais le clean kill devant, quoi. Sauf à la fin, ouais, que je l'ai loupé. Surtout la Zarya faisait tout le temps la bulle sur la Tracer, ce qui fait qu'elle pouvait, ouais, aller. Ah non, mais il y avait une bonne synergie entre la Tracer et la Zarya. Paragon a l'air cool, ouais, c'est vrai. That face. Ah ouais, ça m'a énervé, là. Le Ainoud, j'aurais pu faire vraiment un bon kill, là, mais... Paragon, il est sympa. Ouais. Paragon est cool. Après, moi, je trouve que c'est trop lent, le déplacement en combat. Ça me rend fou. Genre, les persos, on dirait qu'ils sont asthmatiques. Tu sais, ils sont... Ils se déplacent tellement lentement. C'est horrible. Mmh. Bah, en même temps, ça rend la game intéressante parce que... Non, mais je trouve ça... Au niveau des escapes, en fait, et tout, c'est... Ouais, je sais pas.
Ah, tu... Okay. Tiens, je vais tenter 76. Faut que je m'améliore, avec la visée sur ce perso aussi. Là. J'ai pas visé. Bon, sur Widow, yop. Vas-y, pique maintenant, je complète. Oh, tu veux Widow? Ah, non, c'est bon. Pas dégueu la compo, là. Ah, mais c'est vrai que la partie d'avant, j'aurais dû switch. C'est mou, ouais, il y a un côté mou à Paragon. Après, les spells ont de la gueule, c'est impressionnant. Genre, le son dans ce jeu, il est complètement ouf. Les animations sont belles et tout. Mais, il y a un côté mou à cause de cette vitesse de déplacement vraiment, vraiment, vraiment faible. Et apparemment, c'était encore plus lent avant. Ils l'ont boosté. Mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus rapide quand même. Mais à mon avis, s'ils boostent un peu trop, ça va plus correspondre au style du jeu MOBA en fait. Je pense qu'ils ont un dilemme, les devs, de ce côté. Et bon, du coup, je sais pas. En fait, j'aimerais bien que la vitesse de déplacement de base soit la vitesse de sprint en fait. Là, ce serait cool. Ah, mais ça serait un. Ça reviendrait à un FPS random à la Overwatch, je sais plus. Hein. Bah, je sais pas, faudrait qu'ils essayent. Les gangs seraient peut-être OP en fait, avec ça. Tu vois, genre en mode tu déboules en 2 secondes, le gars a rien le temps de faire. Allez, c'est parti. Pour les battre. Tourelle dans mon dos. Oula, putain, j'ai pris cher là. Beaucoup de spam. Ripostez vous aussi, spammez. Ouais, je spam aussi. Bouclier cassé. Vous pouvez passer, y'a plus de sentry hein. Okay. Allez, go. On y va, je charge. Oh, joli le kill sur le Reinhardt. Oh merde, je suis piégé. Ah, please. Ah, ça va.